j'en ai pas mis, si tu veux. J'en ai plein, je vais trouver une forme. Ça, c'est la viande. La viande, on la prend pas. J'aurais pu prendre 3 autres choux-fleurs, 5 autres poivrons, plein de salades. C'est effrayant quoi qu'ils jettent des affaires. Plein de poulet. J'ai toujours arrivé dans une épicerie aussi, puis souvent ici ils gardent les dates, les couvercles avec les dates, puis ils jettent les produits. Après ça, les représentants peuvent venir à l'épicerie, prendre les couvercles avec les dates, faire un remboursement à l'épicerie. Ça fait en sorte que y a personne vraiment qui va se sentir mal de jeter parce qu'ils sont remboursés. Ouais. Fait que dans ce cas-là, tu sais, puis c'est encore là, on jetait des choses, puis ça va être, c'était pas passé de la journée même. On s'entend que même la date encore là, c'est. Il faut en prendre puis en laisser, là, mais même les dates, c'était ton, ça allait passer dans 2-3 jours pour le jeter. Mais l'épicerie, elle, se fait rembourser. Fait qu'ils s'en foutent. Des champignons. Un petit stylo. C'est quoi ça? C'est des gousses d'ail. Non, non, ça, des céleri. C'est des céleri, ça? Ça? Des. Ouais. Ça, je pense que c'est des choux raves. On en prend-tu? On les prend-tu? Des green kohlrabi. Je pense que c'est chouette. Les carottes qui ont l'air bonnes. On va prendre un. Il y a même des bananes. Veux-tu des bananes plantain? À cause de l'eau, c'est un petit peu dégueulasse. Même j'en veux pas de raisin. T'en veux pas? T'en veux-tu? Ouais, je vais me faire une salade de fruits. Yeah. Veux-tu une laitue? Ma mère, elle me dit, quand je lui ai dit genre que je faisais du dumpster, déjà, elle l'a un petit peu mal pris. Parce qu'elle se disait genre, c'est parce qu'ils mangent pas assez. Fait que là, elle m'a envoyé de l'argent. J'ai fait, mais c'est pas, tu comprends pas, c'est pas parce que je suis pauvre ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis tout à fait contre le principe du gaspillage industriel comme on le voit en ce moment. Puis ben, finalement, elle m'a juste donné de l'huile d'olive pour que je spraye ça. De la petite huile d'olive chic, là, pour que je mette ça dans ma salade. J'ai accepté. Mais voilà. Je suis pauvre. Non, full pas. Mes parents me donnent une carte de crédit pour acheter de la bouffe. Fait que j'ai vraiment pas besoin d'aller dans les poubelles pour avoir de la nourriture. C'est vraiment plus par rapport, comme je disais, au travail des gens qui a été mis pour faire cette nourriture-là. Je trouve ça ridicule, le gaspillage. Puis c'est disponible quand tu décides d'aller dans les poubelles. Fait que je pense juste que... C'est pour ça en fait que j'y vais, c'est pas par manque d'argent ou quoi que ce soit, c'est juste pour éviter que ce soit gaspillé puis que ce soit détruit, fermenté, je sais pas trop. Non, c'est pas un truc de pauvre, puis j'ai l'impression que souvent les gens qui sont dans le besoin, il y en a peut-être qui sont réticents à y aller, justement à cause des préjugés qu'on a là-dessus. Je pense que ça va être ça. Un sac de poivre.
En voulez-vous? Une autre sac, il y a plein de sacs. Il y a plein de monde. Ça sert à rien d'en prendre plus, là, parce que tant qu'à faire, laisse-la à quelqu'un d'autre. Sinon, je vais juste probablement m'en débarrasser chez nous ou essayer de le donner à des amis. Mais oui, ça arrive qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de fruits et légumes, mais des fois, tu peux ouvrir des sacs. Souvent, les trucs emballés sont dans des sacs de plastique noir. Fait que t'ouvres les sacs. Puis tu peux trouver des pâtisseries comme les petites brioches tantôt, mais plus. Puis beaucoup de pain aussi. Mais souvent, c'est des denrées rares. Les gens, ils aiment ça, fait qu'ils sont tout le temps partis. Par contre, j'ai déjà embarqué dans les poubelles, puis j'ai vu, par exemple, des bananes qui m'avaient l'air vraiment cassées en deux volontairement. Puis des bouteilles de jus, juste le bouchon ouvert, ils ont sprayé ça dans la poubelle. J'ai déjà vu aussi des propriétaires d'épiceries fâchés qui allaient mettre de l'eau de Javel dans leur poubelle directement pour tout gâcher la nourriture. C'est juste déjà sans cœur. Pour environ peut-être 10 personnes chez moi, on a fait comme un gros souper avec plein de plats, plein de légumes. Ça, c'est gros des légumes, qu'est-ce qu'on trouve? Puis on était quoi, 10-12 personnes, puis on a tout mangé, puis en restait. Comme c'est fou à quel point que genre c'est des trésors, mais aussi que c'est du gaspillage là-dedans. Comme ça, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Au moins, ça rend du monde heureux. Ça pourrait rendre vraiment plus. Moi qui rêvais d'être un artiste, je me retrouvais aux dépens du bon vouloir et des coups de pied que m'offraient les bonnes gens. Errant de rue en rue avec mon ami fidèle, cherchant tant bien que mal à remplir notre gamelle. Ne vous en déplaise, monsieur, c'était bien dans les poubelles que la bonté humaine y chantait sa ritournelle. Certains passants et commerçants m'avaient averti qu'un jour quelque odieux se chargerait de ma race de vautours. Puis un matin d'hiver, après avoir tant attendu que les passants honnêtes gaspillent quelques écus, un liquide corrosif versé dans les détritus nous retint à nous paître de cette pitance déchue. J'aimerais bien vous dire, monsieur, comment j'en suis arrivé là. Peu importe, moi je suis là, et au moins lui n'y est pas. Je vous prie de veiller sur lui, monsieur, et j'y mets toute ma foi. Il a été le seul être qui a eu confiance en moi. Oui, c'est cool. C'est quand même c'est plutôt simple, puis ben, assez dramatique en soi.